Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon oral pour le DNB en fin d'année. J'ai choisi une œuvre musicale qui s'intitule Autoportrait. Autoportrait est une chanson écrite en 2011 par Maurice Hindé et composée par Jonathan Maman sous forme de cadeau des 68 ans de Johnny Hallyday. Cette musique est l'œuvre des Amis du Taulier. Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, est un chanteur, auteur, compositeur, interprète et acteur français né le 15 juin 1943 à Paris. Est décédé le 6 décembre 2017 issu d'un cancer des poumons à l'âge de 74 ans. Maurice Hindé est un auteur, compositeur et parolier français. Jonathan Maman est un auteur, compositeur et interprète français né le 29 septembre 1979. L'œuvre raconte la vie de Johnny Hallyday du côté émotionnel, sentimental, physique et caractériel. Johnny Hallyday est l'unique interprète de cette chanson. Ce titre fut offert gratuitement sur les plateformes de téléchargement légal le jour même où Johnny Hallyday présente à la presse au premier étage de la Tour Eiffel sa prochaine tournée. Conjointement à sa conférence de presse, il donne un mini-concert autour duquel il interprète pour la première fois Autoportrait. Autoportrait sort en maxi 45 tours, mis en vente exclusivement ce jour-là, le disque est tiré à 1000 exemplaires. Cette œuvre est le parfait autoportrait du rocker, un morceau dans lequel il parle beaucoup de lui et de Laetitia, son épouse. Cette œuvre contient 6 strophes dont le refrain se répète 3 fois. Dans cette chanson, le taulier décrit sa propre vision ou celle des gens qui le regardent. Il exprime parfois sa propre auto-vision. Mais il peut se vanter un peu. Il explique déjà auparavant que d'autres personnes ont fait des autoportraits. On m'a fait tant d'autoportraits qui me ressemblaient très pour très. J'avoue que je le fais. Au refrain, il peut deviner qu'il parle d'une femme. On peut penser qu'il s'agit de sa propre femme, Laetitia Hallyday. Le caractère de cette chanson est plutôt rythmé, mélancolique et un peu rêveur. Le tempo est assez modéré, l'intensité